Hello tout le monde, c'est Kurashuba et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un petit peu spéciale. Alors oui, je sais, toutes mes vidéos sont un petit peu spéciales, mais celle-ci particulièrement. Alors dans cette vidéo, en fait, je vais tout simplement vous expliquer ce qui va se passer un petit peu dans le futur. Voilà. Donc, tout simplement, j'ai eu la fibre, et oui, enfin. Ça veut dire que ma connexion est meilleure. Ce qui veut dire que je peux commencer à faire des lives. J'ai déjà fait des petits tests, ça marche très très bien. Donc, je vais commencer à faire des lives. Déjà, j'ai un petit live de prévu le 31 octobre pour Halloween. Un petit live, je pense, qui commencera vers 14h, peut-être un peu avant, peut-être un peu après, je ne sais pas. Mais vers 14h, il y aura un live pour Halloween sur ma chaîne Twitch. Ma chaîne Twitch sera en description, tout simplement, CourageTuba, voilà. Et en plus de ça, j'ai une chaîne secondaire où je posterai toutes les rediffusions de live qui s'appelle CourageTuba Live, tout simplement. J'avais essayé de trouver un truc un petit peu plus, comment dire, mieux que ça en fait, mais j'ai pas trouvé. Non, j'ai cherché beaucoup, hein. J'ai fait des petites recherches, j'ai pas trouvé mieux que CourageTuba Live. Parce que c'est rediffusion de live, c'est CourageTuba, et voilà. En fait, je voulais trouver peut-être un truc pour expliquer que ce soit la chaîne secondaire, mais j'ai pas trouvé. Donc voilà, si vous avez peut-être des noms un peu mieux que CourageTuba Live pour ma chaîne secondaire, allez-y, n'hésitez pas surtout à me faire cette petite proposition. Voilà, donc les amis, je crois que j'ai terminé cette vidéo. Alors c'est vrai que c'est très court, mais en ce moment, je sais pas, je fais des vidéos qui sont beaucoup plus courtes, mais pourtant qui demandent beaucoup, beaucoup plus de montage à faire. Par exemple, la dernière vidéo sur CSGO, là, vous avez 2 minutes 30 de vidéo, mais moi, déjà, ça m'a mis une heure à prendre à faire les rushs, en fait, tout simplement, de la vidéo. Et après, j'ai passé environ une heure et demie, 2 heures à faire le montage. Donc, vous voyez, une vidéo de 2 minutes, ça m'a mis 3 heures. Donc, voilà. C'est pour ça que les vidéos, la dernière, sont plus trop sur du gameplay, des aventures, tout ça. Mais voilà, j'essaie des nouvelles choses. Bien sûr, Frozenia V5 est sorti. Donc, des petites vidéos comme ça qui vont sortir sur Frozenia, peut-être dans les prochains jours. Sûrement, très probablement, un live avant le 31 octobre sur Frozenia, voilà. Et donc, je pense que sur ce, les amis, je peux vous dire à la prochaine. C'était CourageTuba, au revoir.